Et yo l'équipe, alors bon, il n'y a pas vraiment de bug non plus dans cette vidéo, contrairement à beaucoup d'autres vidéos que j'avais sorties avant, c'était plus une astuce pour les camos Bruen MK9 et Pumiotte, où on vous demande donc pour la Bruen de faire 10 fois 3 kills avec un seul chargeur, et pour la Pumiotte, on vous demande je crois de faire 10 fois 5 cette fois, donc un peu plus dur. 10 fois 5 éliminations. J'avais fait une vidéo sur la MCW6.8 et son camo forgé, où tout ce qui était kill avec un seul chargeur c'était buggé, il fallait juste recharger tous les certains multiples, donc si c'était 3 kills par chargeur, il fallait recharger tous les multiples de 3 kills. Si c'était pour des 5 kills, il fallait recharger tous les multiples de 5 kills. Pour la Bruen et la Pumiotte, j'ai l'impression que ça marche pas trop. Donc en gros, ce qui veut dire que le camo n'est pas buggé, il faut vraiment faire ce qui est demandé. Donc petite technique sinon, c'est de faire ce que j'ai fait, de vous mettre en chip mass hardcore et de vous allonger au milieu. Alors c'est moche, c'est pas beau, il n'y a pas de skill, mais comme il n'y a pas de kill cam et que ça va super vite, que vous faites tuer à tout bout de champ, enfin les ennemis, et ben quand tu te fais tuer par un mec qui est en plein milieu, qui campe, tu vas pas forcément spontanément te dire tiens j'allais le rechercher, parce que t'as pas forcément vu la killcam, tu sais pas forcément qui t'a tué, tout ça. Et donc vous pouvez facilement stacker vos 3 à 5 kills par chargeur. Et voilà, donc petite astuce. Moi c'est comme ça que j'ai réussi à débloquer en tout cas mes 2 camos sur la Bruen et la Pumiotte. Voilà, je vous dis à la prochaine pour d'autres astuces pour les camos de W3. Ciao ciao tout le monde.